Yo tout le monde, c'est Kéra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ark. Et mon dieu, est-ce que vous avez déjà vu une enfant de 10 ans jouer aux Sims? Comment elle pète un câble? Ben moi c'est pareil mais avec Ark là. Parce que à la base c'était pas du tout prévu que je tourne du Ark. Et là je vais sur le workshop justement de Ark pour regarder un petit peu ce qu'il proposait. Et là, qu'est-ce que je ne vois pas? Vous l'avez déjà vu dans le titre, que le mec Echo a sorti un nouveau mode qui s'appelle Echo Stable Structure and Decor. Et du coup c'est un mode qui est en plein développement et je le suivais sur Twitter. Et ça y est, il l'a enfin sorti sur le workshop. Donc ça pèse à peu près 220 mégaoctets. Comme si Ark ne pesait pas assez lourd de ses 134 Go sur mon disque dur. Non, ça ne suffit pas. Donc du coup il fallait vraiment que je teste ça. Je suis comme une enfant. Donc on est sur la map Realm Outers normalement. Vous avez été très nombreux à me demander de tester ISO. ISO fait 3 Go 2, 3 Go 5, un truc comme ça. Donc pour le moment, voilà, avec la connexion que j'ai pas pu la télécharger, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver assez vite. Donc là, on va tester sans plus attendre, sans plus tarder, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai comme une gamine, j'ai commencé à poser des trucs et je me suis dit non, attends, arrête, tu vas tourner la vidéo, tu vas expliquer aux gens, arrête ton bordel, regardez, je t'ai lancé, moi, je suis en train de mettre mes trucs et tout. Et je me suis dit, ici, ça serait vraiment super de le tourner. Donc du coup, en fait, alors qu'est-ce que c'est que ce petit, ce nouveau mode? En fait, Echo, vous savez, c'est celui qui fait les Echo Garden, Echo Décor, Echo, vous savez, tout ce qui a en rapport avec les arts. J'avais aussi présenté Echo Camping, en fait, et le mec est hyper complet à chaque fois dans ses modes, il est extrêmement complet. Si vous vous demandez au cas où pourquoi Kiki fait nuit, ne vous inquiétez pas, le jour ne va pas tarder là, c'est juste que je lance la vidéo maintenant parce que il est 4h du mat, donc à 5-6h là ça va se lancer la journée. Donc du coup le mec est hyper complet en fait dans ses décors, ils sont toujours très très soignés, je trouve que c'est toujours très propre ce qu'il propose. Attendez, je vais monter vite fait les trucs, comme ça me fera pas chier, on s'en fout. Voilà, c'est pas important. Donc, ouais, le mec, il fait des décors hyper complets, hyper structurés. Je vais vous montrer là un petit peu ce qu'il propose. Allez, on avance. Allez, oh, mais j'ai trop la hype. Ça, on s'en fout, ça sert à rien. Donc, alors, comment ça se présente? Du coup, la table de craft, elle est ici. Donc, en fait, comme vous voyez, voilà, Echo Stable Structure and Decor Crafting Table. Donc, hop, c'est une selle, en fait. Et en fait, c'est tout un mode un petit peu... comment je pourrais... Je vais vous mettre quelques photos. Voilà, je vais vous mettre des photos maintenant de ranch, en fait, pour les écus. Et moi, qui adore les écus, en plus de ça, ils me foutent un ranch. Alors là, c'est terminé, on ne me voit plus. C'est terminé. Et du coup, j'ai regardé quelques décors qu'ils avaient proposés sur le workshop. Et c'est juste magnifique. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Après, on va les poser. Hein. En ameublement, on n'a pas grand-chose. On a un lit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Large aussi table. Donc, on a une table. On a une petite table. On a des chaises, bon là, le plus basique, jump. Ah oui, alors ça, c'est excellent. Alors, stone jump et compagnie, en fait, c'est pour les chevaux. C'est pour qu'ils puissent faire des jumps par-dessus. C'est très con, hein. C'est genre si tu veux faire un truc RP ou... regardez, comme là, il y a un système de numéros, c'est n'importe quoi. Mais du coup, c'est si tu veux faire un petit truc RP ou un truc hyper sympa. Je vous ai dit, le mec est hyper complet. Hein. Light, donc là, on a les lumières. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah après, les saddles. Donc, alors, en fait, ouais, c'est les rangements, en fait. C'est les rangements, mais sous forme de sel. Donc ça, j'ai hâte de les mettre en place aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les structures et les trophées. Ah oui, ah, j'avais pas vu ça. Ouais, on a un système de trophées, du coup. C'est excellent. Je vous ai dit, le mec est super complet dans ce qu'il fait. On va tester ça. Est-ce que si je me remets en gamma normal, maintenant, ça passe? Je pense que ça va être encore trop sombre. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe. Donc, alors, qu'est-ce qu'on met? Alors, je vous le dis, mais c'est n'importe quoi cette structure. Là, on n'est pas... Ma cam, s'il te plaît, voilà. On n'est pas du tout là pour faire un concours de qui aura la plus belle baraque. C'est juste que j'ai trop envie de tester les structures, chaque truc qu'il a mis en place. Alors, attendez, hop, on va regarder. Donc, j'avais foutu ça au niveau du sol. On va rester comme ça. À la limite, on fera une petite écurie à côté. On va regarder. Donc... On va regarder par rapport au mur, parce que j'ai foutu le sol, donc le sol on en a plus rien à foutre. J'ai commencé à craft quelques trucs, je vous ai dit j'étais lancée moi, je me suis calmée parce que je me suis dit oh oh oh, tu vas te détendre un peu quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut, un mur en bois qui permet, ah, d'isoler des températures extérieures. Peut-être utilisé en tant que mur porteur ou simple cloison. Oh oh, alors attendez ça, on en prend. Alors ça, oui ok, donc c'est des murs okay, qui, pour isoler, ah, ça me fait penser aux box, je pense que c'est pour les écuries. Je pense que ça peut être pas mal. Attendez, on va regarder. Bon, après, ça, on connaît. J'essaie de regarder des choses qu'on... Plafond en bois, on connaît. On sait ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, alors, attendez. Décoration forêt. Oh, alors, attendez. On va regarder. On va regarder dans les structures aussi. Alors, on va faire un petit peu de ça, un petit peu de ça. On dirait que je fais mes courses. Un petit peu de ça, un petit peu de ci. Et puis machin, et puis bidule.
Non, j'essaie vraiment de prendre des trucs que j'ai pas eu l'occasion de prendre. Oh, on a même les mangeoires et tout. Hein. C'est pour dire à quel point les mecs poussent le truc. C'est excellent. Ce mode est incroyable. Ça se trouve, je l'ai refait deux fois, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire aujourd'hui. Dis, je vais vous faire bouffer du mode. Hop, alors. Hop. Oh là là. C'est les soldes, je vous le dis. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, j'en étais sûr. Je pense que ouais, ça peut être utilisé, tu vois, regarde. Ouais, je pense qu'on peut faire des box en fait. Il faudrait qu'après limite je fasse pop des cusses pour tester. Alors attendez, on va regarder les styles. Les différents styles qu'il a mis en place. On va mettre un petit peu de gamma. On va se mettre en gamma 2. Non merde. On va se mettre en gamma 3 en attendant. Et puis après on repassera en normal. Ah bah celui-là pour le moment c'est mon préféré, vous voyez. Ah alors. Oh attendez, on en a un autre là. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Oh! Ah non, c'est celui-là mon préféré maintenant, la meuf qui change tout le temps. Alors attendez, hop, on genre tout. On va regarder. Mais je vous ai dit, c'est hyper complet et hyper propre en termes de texture, je trouve. Des fois, t'as certains modes, c'est... Au niveau des textures, c'est un peu dégueulasse. Et celui-ci, il est hyper propre. Ah ouais, là, j'aime bien. Ah, celui-là, il claque. Celui-là... Non, celui-là, j'aime pas trop. Ça fait vraiment te croire dans une prison. C'est Prison Break pour écus, quoi. Celui-là, c'est ouvert. Oui, à la limite. Hein. Tu mets la petite mangeoire de l'autre côté. Tiens, viens par là, Michel. Non, celui avec la corde est hyper cool. Alors, on va regarder le 4. Alors, le 4, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande si c'est pas un truc qu'on foutrait sur une toiture, vous savez? Genre, en haut de la toiture. Je me demande si c'est pas ça. Attends, on va le poser, on va regarder à quoi ça ressemble. Hop, bon, on va poser l'autre à côté, hein, de toute façon. Hop. Voilà, petite ellipse. Je me suis fait embêter durant la vidéo. Hop, c'est bon, on peut retourner à nos moutons. Donc, du coup, ouais, ça, je pense qu'en fait, c'est les choses qu'on peut placer, vous savez, sur les toits, en fait, sur certaines toitures, des fois aux États-Unis ou des trucs comme ça. On peut placer, en fait, des décorations de ce type-là. Qu'est-ce qui m'emmerde, lui? Qu'est-ce que tu fais en chasse? Michel? Eh, par contre, c'était vraiment Michel, son nom, dans l'aventure. Donc, hop, on va le mettre là, voilà, Michel, il va venir avec nous. Donc, du coup, je pense qu'en fait, c'est une décoration qu'on peut poser, en fait, sur la toiture. Ça peut être hyper stylé. Moi, perso, je mettrais l'écus, je vois pas trop ce que le raptor foutrait là. Mais après, chacun son truc. Donc, du coup, je vais ramasser ça, ça, je vais ramasser. Alors, on va... Qu'est-ce que c'était, donc, ce truc? Ah, bah oui, bon, bah ça, ok, on sait ce que c'est. Ça, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, on s'en fout. Je regarde un petit peu les différents... Oh, les murs, ils sont hyper beaux. Hein. Ils sont hyper chouettes, les murs. Hein. J'aime beaucoup, pour le coup. Je galère pas du tout avec ma souris à sélectionner les modes. Bravo. Oh. Alors ça, ça, c'est pas dégueulasse. Ah, oh, c'est une vitre. C'est excellent. Oh. Attendez, regardez. Est-ce qu'on peut faire ajouter des trucs? Non. Ah, oh, c'est pas mal. Alors ça, j'aime bien. Et là, c'est quoi? Donc alors attendez, on va faire un petit truc, à la limite. On va faire un système de box ici. On s'en fout, c'est pour tester. Hein. Qui c'est qui fait ce bruit là? Ah c'est lui? Oh le bruit, non mais par contre faudrait Arc s'il vous plaît, si vous m'écoutez, ce qui n'arrivera pas je pense. Hein. Mais changer la taille. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Techniquement, moi il y a un truc comme ça qui me monte dessus, je me fais arracher la moitié de l'épaule. Et j'ai au moins 30 jours de kiné. Là, c'est pas possible. Un truc pareil, non, ça ne fonctionne pas. Ça... Réfléchissez deux minutes, ça ne fonctionne pas ce genre de truc. Et voilà, je me trompe dans mes touches avec vos conneries. Donc du coup, on va essayer de faire en sorte de mettre des petits box de ce côté-là. Pareil de l'autre côté. On va fermer grâce à ces murs-là. Donc on va faire ça tout de suite. D'ailleurs, information qui m'a fait rire. Vous savez que Arc, je le répète souvent, arrive dans sa version finale. Là. Et du coup, pour toute précommande... Du jeu, j'ai vu ça. En fait, maintenant, apparemment, on a accès à deux skins tech. Donc, apparemment, un skin de Raptor tech. Donc, ils l'ont pas annoncé, mais je l'ai vu en magasin, ce qui est bizarre. Ça n'a pas été annoncé, mais voilà. Donc, ça me paraît un petit peu bizarre. Ah, attendez, celui-là, je l'avais pas fait. Et celui-là non plus. Et celui-là non plus, apparemment. Ouais, donc ça me paraît un peu bizarre, mais apparemment, c'est ce qui est annoncé sur le papier. Donc, à voir. Pour tous ceux qui veulent précommander Arc, au cas où, si ça vous tente, vous allez avoir accès, en fait, à des skins. Ce qui n'est pas négligeable. C'est des skins tech après, donc moi perso j'en ai rien à foutre. Ça a pas changé ma vie, c'est des skins tech. Donc bon, un petit peu balestec hein, pour le coup, hein, on va pas se mentir. Alors,
Mais je le dis pour ceux que ça intéresse. Mais bien évidemment, j'ai tout enlevé. Comme à mon habitude, Michel. Hop. Faut que j'arrête à dire Michel parce que là, ça devient malsain. Ça devient très énervant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où vient ce mot. Aucune idée. Mais écoutez, ça, on va laisser. On va regarder sur le côté le coup des fenêtres, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas mal. Regardez. Le gros stalker. Coucou. Tu mets ça aux toilettes. Coucou, ça va? Ah, c'est hyper... Fais voir ça. Hop. Mettre genre... On va mettre ici. On s'en fout. Même si la maison ne ressemble à rien à la fin, je m'en fous totalement. C'est vraiment pour tester le mode, voir ce que ça donne. J'avais pas l'espèce de verrière, là. Non, je l'ai pas prise, je crois. Je crois que je ne l'ai pas pris. Ah si, je l'ai pris en deux. Alors, attendez. Ah bah si, alors, attendez. Ah ouais. Ah ouais, pas mal du tout. Ah, j'aime beaucoup. C'est chouette, c'est chouette. Alors, hop. Faire comme ça. Et ça, pour le coup, comment on va faire? Attends, je suis en train de réfléchir à un truc, là. J'aimerais bien mettre tout un système de verrière. Je sais même pas si on va la... Je sais même pas si je vais la finir, la maison. Je suis en train de vous parler de ça, je sais même pas si je vais la terminer. C'est juste que je découvre un petit peu le mode avec vous, là. Ah oui, il y a ça aussi. Merde. Ah oui, merde. Non, bah oui, là, il y a un problème. Un problème de montage. C'est-à-dire que t'as un côté qui est monté à l'envers, et t'as l'autre côté qui est pas monté droit. Donc forcément... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Ah bah oui, bah là, forcément. Ah bah... Si vous voulez refaire pour des travaux d'intérieur, n'hésitez pas, appelez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors là, moi, je vous dis, il n'y a pas de problème. Attendez, quoi que... Ah, je l'avais. Bim. Là, ça fait plus propre. Et là, bah attendez, c'est pas normal. Ah si, c'est normal. Bon, ça fait très moche. Ça fait très 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 moche. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça, mais j'ai pas envie de perdre de temps. J'ai envie de tester, en fait, tous les petits trucs. Donc, on va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps, on s'en fout. Est-ce que le truc, on peut le mettre direct sur le dessus? Attends, je vais regarder. Oh non! C'est dégueulasse. J'ai le droit de le poser comme ça, là, un petit peu en biais, sans que ça tienne trop. Merde. Bon, alors, attendez. On va fermer la maison. Je fais une petite ellipse et on se rejoint tout de suite. Bon, du coup, nous revoilà. J'avance un petit peu sur la construction. J'ai fermé quelques zones. J'ai pas encore fini la toiture, par contre. Du coup, on dirait une boîte à outils géante pour le moment. Mais par contre... Oh la merde. Par contre, j'ai remarqué un truc. Donc, il fallait que je vous en parle. Alors, déjà, maintenant, est-ce que celui-là... Alors, attends. J'ai pas placé celui-là. Est-ce que l'autre petit pote, je peux le placer? Il était où? Il est là. Alors, attendez. On va regarder. Même si on n'a pas fini la boîte à outils... Normalement, on peut le placer. Ah! Ah! Alors, attendez. Je vais essayer de me foutre en fly, voir si je peux le placer. Bon. Alors. Là. Bon. C'est pas du tout centré. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Ah ouais, mais attends, là. Bon, on va essayer comme ça. C'est pas grave. Juste pour voir ce que ça donne, en fait, depuis le bas. Ah ouais, bah voilà, bah c'est ce que je disais. Alors attendez, dans ce cas-là, on va mettre son pote Raptor. Que j'ai rangé, bien évidemment, parce que sinon, forcément, on s'emmerde. Il est pas tout seul, le serpent, là-bas? Non! Barrez-vous, je suis en pleine vidéo! On va pouvoir descendre. Je suis en pleine vidéo, barrez-vous, là. S'il vous plaît. J'ai vu, en fait, un petit truc qu'il fallait que je vous montre. J'ai vu qu'on pouvait faire des pontons, hein. Et ça, c'est pas mal, je vais vous montrer. Ils étaient faits encore, donc on va essayer d'accéder. On va essayer de se foutre dans la flotte avec, tiens. Ah bah ouais, mais du coup, ça recommence. On va... Hop, on y retourne un coup. Faut se mettre dans ce sens-là. Et bim! Voilà. Eh! Pas mal! La boîte à outils géante, regarde-moi ça. J'ai mis du foin et tout. C'est une boîte à outils géante quand même, hein, mais bon. Au moins, c'est une boîte à outils avec du style. Tout simplement, si on peut appeler ça du style. Donc, hop, alors. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, décorative. Déjà... Oh, saloon. Alors, attendez. Alors, attendez, moi, je prends tout, là. Là, on teste. Là, on est sur la phase... Ah, moi, je prends tout. Rien à foutre. Alors, hop, saloon. Ça, je sais pas ce que c'est, on va voir. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Et ça, ça a l'air d'être... une barrique. Alors...
Sale ou non. Comme ça va être un peu plus de gueule, tu vois, au truc. Alors attendez, regardons. Bim! Oh là 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 là, écrire un texte. Qu'est-ce qu'on met? Je ne sais pas. Ah là, il y a beaucoup de recherches dans ce texte. Oh! Ah oui! Non! Oui! Oh, par contre, j'adore la police d'écriture, c'est vachement stylé. Non, on va juste mettre... hein? Voilà, très bien. Ou attendez. Ça passe ou pas? Eh ben nickel! Regardez-moi ça! C'est-il pas beau? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? On va regarder. Hop. C'est quoi? Wall nameplate. Ah, c'est cool! On va pas marquer encore Kiki. Ok, d'accord, donc ça c'est pour noter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce machin? Attendez, on va me mettre à côté. Oh! Excellent! Mais c'est trop bien fait! Pour se mettre... Regardez, première place, attendez, c'est où la première place? Bah c'est en haut tout simplement. Tu réfléchis un petit peu ou pas? Voilà, regardez, hop, impeccable. T'as une bonne tête de gland là avec Michel. Impeccable. Alors ensuite, bah, regardez la barrique, on va la mettre en première position. Voilà, c'est la barrique qui a gagné. The winner is... Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, ouais, c'est juste pour ranger. C'est vachement stylé, j'adore ce mode. J'adore, 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 j'adore. Qu'est-ce qu'il fait le serpent là-bas? Il continue de faire ses courses, impeccable. Donc du coup pour la décoration, la vue, jump, on va juste en sortir un seul. Je vais pas tous les sortir, on va juste en sortir un seul pour regarder ce que ça donne. Hop. Imaginons, voilà, le alors, on va se mettre là-bas parce que genre, ça s'entraîne pas contre le mur quand même, un cheval, faut pas déconner. Donc voilà, près du truc. Il va pas se mettre non plus, voilà. Là c'est bien. Bim, vous voyez là, il est là. Hop, tuk-tuk-tuk-tuk, hop là, voilà, comme je viens de faire, impeccable, avec le bruit bien évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Impeccable, non c'est bien fait, c'est bien foutu. On va aller voir les autres décos. Ah ça j'adore. Ça abîme à ma boîte à outils géante. C'est magnifique. Alors ensuite. Donc ameublement. Ah oui, ça, je vais regarder. Voilà, ensuite, light, ah bah oui, les lumières, ce serait con quand même de pas les regarder. Saddle, est-ce qu'on les regarde? Ah ouais, attendez, on a d'autres éléments de décoration en stockage. Hey, hey, on a des bottes de paille, on a... Oh, ça c'est bien foutu ça. Oh, on a des caissons. Oh, c'est bien fait. Alors, attends, vous savez quoi? On va prendre, hop, on va prendre celui-ci. On va pas tous les faire non plus. Et les trophées... Troisième. Oh, c'est excellent! Alors attendez, hop, on va juste en prendre quelques-uns. Quelques-uns, la meuf, elle les fait tous, tu sais. T'as un gros problème, Kiki, pour ça. Hein. Alors, on va regarder la modélisation. Ah, alors on se croit dans Hello Neighbor. Alors, si on regarde, on se croit dans Hello Neighbor. Avec le petit système de clous et tout. Oh la vache, t'as vu la taille du truc? Attends, ça, on va le mettre là. C'est clouté, hein. Oh la vache, et ça, c'est de la tape, ça. Ah, par contre, je suis pas très fan du mobilier. Oh, le lit! Oh, la taille du lit! Mon gars! C'est pas un lit de hobbit, hein, je te le dis. Hein. Oh la vache! Oh, par contre, j'aime bien le lit. Il est chouette, comment il est fait. Bien fait en plus, hein. Bien fini, attention. À la militaire, très bien. Par contre, je suis pas très fan du mobilier. Je trouve qu'il est un peu répétitif au niveau de sa texture. Hein. Mais sinon, c'est quand même chouette. Alors ensuite, la lampe, bah, qui va beaucoup nous servir, étant donné qu'on n'a pas fini la baraque, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, le résultat, c'est pas du tout centré. Alors. Oh! Et c'est vraiment dans le thème Far West. Hein. C'est ouf. Et là... Ah ouais, là, ok. Ah, ok, cool! Alors, attends, et là, on va mettre genre là. Un petit truc ici. Bim! Ah, j'adore. Attendez. Ah, c'est chouette! Ah, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va faire le storage. Non, mais c'est pas vrai, je vais y arriver. Ah ouais, là, c'est des rangements que tu mets contre le mur. Ah, oh, ça c'est bien foutu. Alors attends, on va regarder. Hop. Bim. Alors attends, on va mettre un plus bas. Parce que vu que j'en ai plusieurs, c'est pour ça. Oh, c'est bien foutu. Du coup, ouais, c'est vraiment les selles. Ah, c'est excellent. Alors ça, j'aime bien. Oh la vache. La selle qui prend pas trop de place. Ah ouais, lézard épineux. Spinner les lézards. Est-ce que c'est le lézard épineux? Je sais plus parce que je crois pas que c'est... Je crois que c'est dragon machin. Lézard épineux en anglais. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave.
ne paniquons pas. Et là, oh mais ça devient trop gros les trucs, les mecs là. Oh, 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 on se calme. Quand même, au bout d'un moment, je veux bien qu'on foute des selles, mais il y a des limites. On va faire ici. Oh, c'est cool. Ah, oh, c'est vraiment chouette. Ah, j'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais regarder si on a tout fini. Ah non, c'était ça que je voulais vous montrer, le ponton, le petit ponton. Le truc hyper important que je voulais vous montrer, au final, que j'oublie super. Bravo Kiki, on te remercie. Et les coupes. T'as pas montré les coupes non plus. Bravo, hein. Ah bah c'est chouette. J'ai oublié un onglet. Oh, ça vient de me faire tilt. J'ai totalement oublié de vous montrer l'intérieur, justement, pour terminer les toits, en fait. Donc, c'est hyper complet. Attendez, je vais vous en mettre un, vous allez voir. Bon, je vous montre le concept, parce que là, en gros, le concept ne fonctionne pas étant donné que la maison n'est pas terminée. Il faudrait que je foute des structures en bas et tout. Mais je vous montre en gros le concept de la toiture, à quoi ça ressemble. Du coup, ça ressemble à ceci, et je trouve ça hyper stylé d'allier comme ça la toiture avec un espèce de bronze. Je trouve hyper stylé. Il y a un côté steampunk. D'ailleurs, par rapport au mode, je trouve que ça ressemble un peu au mode steampunk. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ce mode, il a l'air d'être hyper complet aussi. On n'a pas le choix. C'est genre la meuf, elle a pas le choix, quoi. Hop, est-ce qu'on peut le foutre là, du coup? Ouais, là, forcément. Ah, j'aurais voulu faire un truc, sinon si, on peut... Je pense qu'il y a... Ah hey, je pense qu'il y a moyen de faire un truc, de trouver une technique pour brain les plateformes et tout aussi. C'est obvious, il doit y avoir un moyen. Ah, j'adore. J'adore. Donc du coup, on va s'arrêter là. Écoutez, mes petits loups, on va mettre les petits trophées. On arrête là la vidéo. En attendant, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré présenter ce mode. Je l'ai trouvé hyper cool, hyper complet. Personnellement, je vous le recommande si vous êtes, si vous adorez justement les modes de ce type-là, qui sont hyper complets. En plus, en termes de texture, franchement, Echo, je suis jamais déçue. Par contre, si vous blindez votre serveur de mode Echo, juste un truc, vous allez laguer. Parce que moi, sur le serveur principal... sur lequel on est, on va essayer les petites coupes sur la table si on peut. Voilà, sur le serveur sur lequel on est, en fait, faut dire qu'on est blindé d'écho. J'ai blindé de lumière, écho et tout, et franchement, mais paye ta latence, quoi. C'est une catastrophe. Ça lag de ouf dès que tu t'approches d'un truc. Donc c'est un petit peu la merde. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, pas encore, ça va pas recommencer, une selle. Bim, encore une autre. Et voilà. Quand on n'en veut plus, et ben voilà. Donc, hop, et là, où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Regarde, le balai à chiottes et tout. Oh, c'est bien fait! Attendez, hop, on genre tout. C'est hyper bien fait, c'est quoi ça? C'est une bouteille de quoi? De parfum, c'est quoi? Avec, ah tiens, la petite pelle. Oh, il y a même le chapeau de cow-boy! C'est trop bien fait. J'adore, j'adore, j'adore. Combien de fois j'ai répété j'adore dans cette partie de Ark? Vous pouvez le compter? Parce que je crois qu'on n'a pas terminé, là. Il y a trop de fois. Alors attends, on met le dernier. Et bim! Voilà, donc on va s'arrêter ici, mes petits loups. En tout cas, c'est vraiment cool, hyper stylé. J'aime beaucoup, 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 pour pas dire j'adore encore une fois. Donc j'espère en attendant vraiment que cette vidéo sur Echo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres modes de ce type. Là, je vais faire prochainement ISO, du coup, la map. Donc je vais la télécharger, ça va me mettre un peu de temps, mais bon, elle sera là prochainement. Ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour peut-être un prochain live. Je l'annoncerai sur YouTube ou sur Twitter. C'est pour ça que c'est hyper important de me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter. C'est ma plateforme principale. Je sais pas, du coup, demain, s'il y aura une vidéo sur la chaîne pour remplacer celle qu'il n'y a pas eu jeudi, ou s'il y aura carrément un live sur Twitch. De toute façon, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Allez, à plus tard. Ciao.